J'en ai marre du confinement. Ouais. Tu veux dire quelque chose? Tu fais avec nous. Tu veux dire quelque chose à la caméra? Ça passe sur YouTube. Ouais. Dis bonjour les amis. Je fais des petits gâteaux. Moi, c'est des gâteaux comme ça. Ouais, les copines, elles avaient bien. Vous allez bien? On fait des boules. Bouche. Oui. Là, elle a votre oui. J'en ai marre du confinement. J'en ai marre de tout ça. J'en ai marre et vous? Est-ce que vous en avez marre aussi? Ah non, mais là je deviens psychopathe. Voilà, journée confinement, il n'y a pas beaucoup de monde sur la rue, il fait pas beau, la déprime quoi. Bah écoutez, on va tenir le coup, on va garder le moral. Donc normalement c'est une place où il y a énormément de monde. C'est le centre de Bordeaux, il y a beaucoup de monde, surtout cette heure-ci. Il est 16h et là il n'y a personne, enfin il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a quand même des gens, mais pas beaucoup. Donc voilà, je voulais vous filmer un peu cette ambiance de deuxième confinement. Voilà, bon courage à tous, bon courage à moi. Même le tram, il est tout vide. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous prends avec moi pour une journée. Donc, je pars au travail, une journée de confinement, comme vous le savez tous. Voilà, on est de nouveau confinés, donc c'est pas facile, c'est pas évident le moral et voilà, donc mais on doit le faire, donc on le fait et j'espère que tout ça sera derrière nous très bientôt. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien et restez avec moi pour une journée très simple, une journée de travail. Donc je vais aller travailler, en revenant je vais sortir un peu les enfants et faire des petits gâteaux maison ce soir. Alors voilà, restez avec moi. Allez, on va faire un petit goûter, les enfants. C'est parti pour le petit goûter improvisé sur ce banc. Avec du thé, des gâteaux dans le sac de maman. Et je sais pas comment on sert pour griller le thé. Pour griller le thé ou le chauffer? Le chauffer. Ah, le chauffer. Allez, nous, on a déjà tout. Des pains au chocolat. Là, mon dinosaure. Le dinosaure de Ayou. Regardez comme il est trop mignon. Tu montres ton dinosaure? Là, tu gèles. Non. Va là-bas, Younes. Là, il a une petite bouche. Oui. Là, elle a des trucs. Oui. Un pot au chocolat pour Mohamed. Moi, j'ai ramené des galettes de riz. On a ramené des clémentines. Oh non! Mohamed qui fait tomber son pot au chocolat. Souvenir. Laisse ton Younes là. Pour voir si le thé il est chaud ou il est froid. Ta da da da. Regardez comme c'est beau par là. Il n'y a pas de gel. C'est beau par là. C'est trop joli par là. Ouais. Et il est chaud et il est super bon. Ouais.
Allez, maintenant on rentre à la maison. Donc là, je vais vous présenter un petit biscuit fait maison, très très simple à faire avec vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Un seul œuf, 100 g de sucre, 100 g d'huile, de la levure chimique, du sucre vanille et 300 g de farine. Donc je vous laisserai les ingrédients en barre d'infos. Vraiment, c'est pas compliqué. Il faut juste mélanger le tout. Donc moi, je l'ai parfumé au zeste de citron. Donc vous pouvez mettre autre chose, de la fleur d'oranger ou autre. Moi, j'ai mis du zeste de citron et le jus d'un demi-citron. Pour la levure chimique, j'ai mis seulement 8 g. Et pour le sachet de sucre vanille, je l'ai mis en entier. Donc voilà, je vais commencer par casser l'œuf. Je vais rajouter le sucre vanille. Je vais rajouter l'huile, le citron. Et je vais mélanger, fouetter légèrement. On n'a pas besoin de blanchir. Ensuite, je vais rajouter la farine. Et je vais rajouter le sel. Et je mélange le tout. Je vais former des petites boules. Donc, il n'y a pas besoin de temps de repos. Donc, c'est vraiment facile. Je vais mélanger le tout. Je vais former donc des petites boules que je vais venir disposer sur une plaque allant au four. Mais juste avant de disposer, je vais d'abord mettre de la cassonade et du citron. Donc si vous avez de la fleur d'oranger, vous pouvez le faire. Moi, je n'en avais pas. Donc je vais d'abord faire les petites boules que je vais mettre dans le citron et puis dans le sucre. Voilà, donc vous allez mettre vos petites boules de gâteau dans le citron et puis dans la cassonade. Et vous allez les disposer sur votre plaque à l'eau au four. On va enfourner tout ça à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Donc il faut que ça dore bien. Et voilà, le tour est joué. Vous avez vos petits biscuits maison. Ils sont tellement bons. Essayez-les, vous allez voir. Vous n'allez pas regretter. Surtout que ça prend pas de temps et pas beaucoup d'ingrédients. Et vraiment, ça vous fait votre petit goûter, votre petit... votre ingrédient sucré pour fait maison pour la journée. Voilà. En plus, vous pouvez faire participer vos enfants et c'est cool, vraiment, ils adorent ça. Comme la pâte ne colle pas, c'est idéal pour les mamans qui veulent faire des recettes avec leurs enfants. C'est bon. Allez, allez, de l'eau.
Ouais. Tu veux dire quelque chose? C'est avec nous. Tu veux dire quelque chose à la caméra? Ça passe avec. Ouais. Dis bonjour les amis. Je fais des petits gâteaux. Ouais, c'est des gâteaux comme ça. Les copines, elles avaient bien. Vous allez bien? On fait des boules. Ça va, c'est fini. Fini. Ouais. Tu veux dire quelque chose? Donc voilà, je vous montre le résultat de ces petits biscuits faits maison. Regardez comme ils sont croquants et tendres à l'intérieur. N'hésitez pas à les réaliser et à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vos enfants ont aimé. Et voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!